Un loup vénérable, ayant traversé les épreuves du temps et de l'existence, voulut au crépuscule de son parcours confier sa longue expérience aux jeunes générations. Dans sa horde, les plus jeunes sont souvent avides de connaissances et de conseils. Il est vrai qu'ayant à subir les affres de l'espèce dominante et prédatrice, tout ce qui permet d'en savoir plus pour adapter son comportement aux excès en tout genre de ces drôles d'animaux impérialistes est bon à prendre. Pour les humains, seul un insupportable sentiment de supériorité rend caduque la transmission de l'expérience d'une génération à l'autre. Mais revenons à notre loup, qui tenait grand palabre dans une forêt sombre et inhospitalière, au relief tourmenté ainsi qu'au sol peu propice à la déambulation ou une quelconque manière de se mouvoir propre à ces maudits bipèdes. La quadrupédie en un tel environnement est un avantage considérable sur ses tristes voisins, car même juché sur des engins prétendument tout-terrain, il ne parviendrait qu'à saccager le sol avant que de s'y enliser lamentablement. Mes chers enfants, avant de quitter ce monde, j'aimerais vous faire part de ma longue fréquentation de ces maudits animaux qui hantent les récits de notre espèce. Jamais il n'y eut sur terre plus exécrable engeance, tout à la fois sanguinaire, impitoyable et toujours plus inventif pour nous martyriser et nous détruire sans nulle autre raison que son appétit inextinguible de domination. Je vous invite à la plus extrême prudence. Et pourquoi ne pas le reconnaître? À la nécessité absolue d'éviter leur fréquentation. Si en des temps immémoriaux, ils surent attirer par la flatterie et la fourberie quelques-uns de nos ancêtres, ils en firent des êtres fourbes et serviles, capables de s'associer à eux pour nous tourmenter davantage. Force est de reconnaître qu'ils ont fait de ces abominables traits à la race lupine des supplétifs sans vergogne, des animaux sans foi ni loi. C'est d'abord de ces affreux collaborateurs qu'il vous faudra vous méfier. Ils ont su transcender les vertus de notre race pour se mettre au service de ceux qui veulent nous détruire. L'histoire jugera un jour ces monstrueux renégats. Dans l'assistance, de jeunes louveteaux qui n'avaient jamais aperçu un chien se demandaient bien de qui parlait ainsi leur vénérable ancien. D'autres, issus de générations ayant plus de vécu, se souvenaient vaguement d'avoir croisé des presque frères aux comportements équivoques. C'est alors qu'un doux corps, un cerf, qui depuis belle lurette avait sympathisé avec son ami le vieux loup, passant par là, voulut édifier les jeunes présents, y allant de son petit couplet. Votre maître a raison, les enfants. J'ai moi aussi eu maille à partie avec ces animaux félons. Pour tourmenter mon espèce, ils évoluent en meute pour nous pourchasser lors d'interminables courses-poursuites.
tandis que leurs employeurs juchés sur d'autres animaux tout aussi fourbes que les premiers jouent d'une étrange musique pour sonner notre faim. J'ai fort heureusement su échapper à plusieurs reprises à ce curieux loisir, même si j'ai eu, au cours de ma longue vie, à déplorer la fin tragique de nombreux amis. Oui, vraiment, ces quadrupèdes aboyeurs ne valent pas mieux que ceux qui les commandent. L'assistance fut particulièrement frappée par ce qu'elle venait d'entendre. Ainsi donc, tous les animaux ne se donnaient pas la patte, et certains même se rangeaient ouvertement dans le camp de l'ennemi héréditaire. C'était la pire abjection qu'il soit possible d'imaginer. Et ce récit atteste que les cousins germains n'étaient pas les seuls à trahir de la sorte le règne animal. Chacun se promettait alors d'agir à l'avenir avec plus de circonspection en ce domaine. Tous les animaux n'étaient pas bons de nature. Des murmures de déception parcouraient les rangs. Le vieux loup dut attendre le retour du silence pour poursuivre sa conférence. Si vous saviez l'ingéniosité dont font preuve ces bipèdes pour nous tourmenter, vous renonceriez à battre la campagne, je peux vous l'assurer. Ils sont capables de toutes les vilenies pour nous réduire à néant. Avant que d'user de cette fameuse arme à feu dont vous entendez parfois les détonations, ils n'ont eu de cesse d'imaginer des pièges pour nous réduire au silence. Des trous, des fosses honteusement dissimulés, jusqu'aux effroyables mâchoires métalliques pour nous tuer dans d'horribles souffrances. Filets, pièges, incendies, poisons, battus, la liste de leurs techniques est sans fin, comme sont sans limite leur plaisir à faire souffrir les autres. Mais au-delà de leur stratégie à notre encontre, ils sont capables également d'une barbarie sans limite entre eux, ce qui les distingue à jamais des autres espèces vivantes. Ils s'entretuent pour un oui et surtout pour un non, celui d'un être qu'ils qualifient de suprême et qui séjournerait aux cieux. Dans ce cas, leur férocité décuple plus encore, sans que jamais ce ne soit la fin qui justifie leurs exactions. Nous devrions nous réjouir de ces hécatombes dans leurs rangs, mais hélas, nous en sommes encore une fois les victimes. Ces sinistres individus laissent derrière eux des monceaux de cadavres. La force de l'instinct nous pousse à vouloir rendre service en nous repaissant de cette viande qui se paie inutilement. Et c'est alors qu'ils nous insultent, nous qualifient de charognards et nous dénigrent plus encore. Décidément, il n'est rien à attendre de bon de ces êtres à la chair fade et au comportement désastreux. Les studieux auditeurs n'en croyaient pas leurs oreilles. Décidément, il y avait sur cette planète une espèce qui semait le feu et le sang simplement par plaisir, férocité ou barbarie. Et ceux-là même qui déshonoraient le monde vivant qualifiaient de monstres les loups qui ne faisaient qu'assurer la régulation des espèces en éliminant les faibles et les malades. Oui, vraiment, il y avait quelque chose qui clochait. Cette fois, les louveteaux indignés faisaient grand tapage. Des envies de rébellion sourdaient dans l'assistance. Certains voulaient s'en prendre aux enfants de ces odieux individus, des proies faciles et sans défense pour leur rendre la monnaie de leurs pièces.
Le vieux sage, entendant ces propos, voulut mettre les choses au clair avant qu'il ne soit trop tard. Mes chers enfants, je comprends votre courroux, je distingue dans votre désir de vengeance la principale accusation qui fut prononcée contre notre espèce. La mort de leurs chers enfants provoquerait le tonnerre et une tracas impitoyable pour tous nos semblables à travers le pays. Le pire dans cette histoire, c'est que des individus au dessein diabolique ont maquillé leur crime contre de jeunes semblables, en simulant une attaque sournoise de l'un des nôtres, pour cacher leur forfait abject. Ne touchez pas à leurs enfants, je vous en conjure. Le silence revint dans les rangs. Les Louveteaux se demandant quel parti prendre, le plus raisonnable étant sans nul doute de fuir la fréquentation de ces êtres haïssables. C'est alors qu'un écureuil qui n'avait pas perdu une miette de ce qui s'était dit sous ses pieds, il était perché à hauteur respectable au-dessus de la grande réunion, tint à apporter sa contribution à la séance. « Mes chers amis, je vous ai écouté avec attention. » Tout ce que vous ont dit le loup et le cerf est rigoureusement exact. Je ne peux que vous abjurer à tout faire pour éviter la fréquentation d'une telle engeance. Ayant le privilège de prendre assez de hauteur pour qu'ils ne me cassent pas les noisettes, j'ai parfois le privilège de les observer dans leur habitat naturel. Ils ne s'y conduisent pas mieux, je vous l'assure. Le pire, c'est que souvent je les ai entendus dire cette phrase sentencieuse qui m'a toujours hérissé le poil. L'homme est un loup pour l'homme. Il y a de quoi se révolter à l'idée que ces humains se comparent à vous quand il s'agit de justifier les monstruosités qui ne relèvent que de leur seule humanité. Les propos de l'écureuil ajoutèrent la consternation à l'effroi. Il y avait là une insulte relevant manifestement de la diffamation. Et quel tribunal pourrait leur rendre justice? Nulle instance ne permettrait à jamais de restituer aux loups leur honneur ainsi souillé. L'assemblée se dispersa, la colère au cœur.